Bonjour à tous et à toutes. Une petite ouverture de courrier. Alors j'ai, comme une blonde, hein. D'ailleurs je suis blonde, j'ai filmé et je me suis aperçue que je n'avais pas appuyé sur la touche pour enregistrer. Donc j'ai ouvert. Mais bon, je vais quand même vous présenter ce que j'ai reçu. Pour commencer, j'ai regardé la chaîne de Pierre Papier Ciseaux by Yann qui faisait une présentation d'ATC. J'ai adoré et elle s'est gentiment proposée de m'en envoyer une. Donc super contente parce que bon forcément j'avais déjà ouvert et j'avais reçu une jolie petite carte comme celle-ci. Son petit mot, donc j'ai adoré qu'elle est quand elle dit je suis une baby scrapeuse. Eh ben, moi j'aime bien ta petite carte. C'est tout en simplicité et là le mot merci, il est juste magnifique. J'adore, j'adore. Moi j'aime bien ce style-là. J'adore, j'adore. Et dedans, elle m'a joint des jolies petites découpes. Ah toi, j'aurais eu des découpes cœur pour le défi de Linda Mistralala. J'aurais été contente parce que je n'ai pas tout ce genre de découpes-là. Donc je vais les garder bien précieusement pour la Saint-Valentin. Ça va être bien utile et en plus elles sont super jolies, bordure de cœur comme ça, j'aime bien. Et en plus ça, ah, mais c'est fait avec tes fonds patouilles, les cœurs avec ses fonds patouilles. Donc Yann fait des jolis fonds, allez voir sa chaîne, elle fait ses propres fonds, elle essaye d'être dans la récup et ça j'adore son esprit et moi j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle fait. Et donc l'objet du délit. Sa superbe ATC, la voici, j'adore. J'adore, j'adore. Avec une carte à jouer, hein. Donc là notamment la moitié d'un 9 et d'un 4. C'est juste superbe. J'adore, j'adore. L'idée, j'ai adoré quand j'ai vu sa série. Elle est superbe, j'adore. Et c'est cœur en morceaux. C'est la 5 sur 7. Elle a été faite le 19 février 2019. Auteur donc Yann et sa chaîne c'est Pierre Papier Ciseaux by Yann. Elle est géniale, j'adore, j'adore. Elle a comment vieilli la carte, mais c'est super bien fait. Franchement, en surépaisseur, c'est génial. Alors, l'anglais, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a une phrase écrite en anglais, The Winner Take It All. Prendre toujours après The Winner, je ne sais pas. Le gagnant, peut-être. Le gagnant gagne toujours, je n'en sais rien, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, l'ATC, elle est sublime, j'adore. Et elle fait également son petit tuto de sa petite pochette ATC, que j'ai reproduit d'ailleurs parce que. Voilà, je trouve que c'est bien sympa, en sachant en plus qu'on peut les coller. Voilà, une carte comme ça, on peut le coller au dos. C'est génial. On peut les customiser, on peut les faire comme on veut. Et elle fait un tuto sur ses petites pochettes d'ATC et je trouve ça super. Et je t'ai piqué, copité ton idée. Donc je te remercie infiniment, Yann. M'en envoie par lundi. Merci, merci. Bon, j'ai un peu de mal, hein. Et j'ai reçu donc un courrier de Audrey sans nom. Alors là, super contente. Super contente. Alors, avec une petite carte toute mimi. J'adore. En fait, en ce moment, je fais des formats de cartes comme ça. Et je trouve que voilà, il n'y a pas le. Ça ne s'ouvre pas en deux. Et je trouve que c'est super mimi. Et j'adore, elle est trop belle. Son étiquette vieillie. Son joli papillon. Ah, j'adore. J'adore le format de petites cartounettes comme ça. C'est génial. En plus, dans mes couleurs. Et donc, elle avait fait donc une série d'ATC. Et dans cette série, il y en avait une qu'elle considérait comme, on va dire, ratée, ces fameuses ATC de la honte. D'ailleurs, j'ai déjà reçu une première ATC qui était sur le défi de Linda Mistralala qui demandait faire un défi sur la Saint-Valentin que je raconte bêtises, en rose et en vert. Et donc, elle considérait qu'elle était ratée, donc elle me l'a envoyée. Et là, elle m'a envoyé donc son ATC, soi-disant de la honte.
C'est celle-ci, elle l'a présentée sur sa chaîne. Elle l'a quand même montrée. Et là, j'étais super contente parce que elle me l'a numérotée. ATC de la honte, numéro 2. Excellent. Alors, c'est vrai, le seul truc que moi qui me dérangerait, c'est la pierre bleue avec la plume là. Sinon, t'enlèves ça, oh ben, je la trouve bien. Fallait... En fait, moi, j'aurais pas rajouté ça, j'aurais laissé tel que. Là, quand même, t'as travaillé, t'as un fond que t'as patouillé. Et là, elle a fait, je sais pas, on va pas le voir à la caméra, ça fait des nervures comme des feuilles. C'est super joli. Là, l'effet que tu as fait avec ta peinture, c'est super joli. Là, un pochoir, un peu dans les. Voilà, un peu oriental, ces petites demi-perles qu'elle a collées ou ces petits diamants. Tu vois, tu n'aurais pas mis la perle bleue ni la plume. Eh bien, elle était superbe, cette ATC, en fait. Moi, j'aime bien ce côté-là. Et puis, l'effet que tu as réussi à avoir, je pense que ça va être avec ton heat gun que tu as pu souffler sur la peinture. Oh, ça fait magnifique, j'adore. Voilà, le seul truc, moi, je ne la trouve pas affreuse, c'est le bleu en fait. Peut-être pas la plume, mais le bleu là, qui me gênerait moi perso. Hein, c'est tout. Mais sinon, toi, t'enlèves ça, et ben elle est superbe. Sublime, ton ATC. Je suis super contente. C'est la numéro 2. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être quelque chose à vous proposer sur ces fameuses ATC ou créa dites de la honte. J'ai peut-être une idée à explorer là-dessus. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et là, super contente. J'avais vu sa série d'ATC qu'elle avait envoyée donc à papier à Pierre Papier Ciseaux, bah Yann, elle avait envoyé donc j'avais découvert sa chaîne grâce à Audrey d'ailleurs et j'avais vu qu'elle présentait une série d'ATC, enfin une ATC qu'elle avait reçue d'Audrey et c'est une fleur dans la ville et j'ai adoré et là tu m'as fait une super surprise, super contente d'en avoir une, elle est superbe. D'ailleurs Audrey fait un tuto, une vidéo sur sa série et elle est superbe, j'adore. Et c'est une idée. Et d'ailleurs, tu m'as inspiré pour ma série d'ATC. C'est voilà, j'avais envie de fleurs. En voyant ta vidéo, tu m'as donné envie de faire une petite série d'ATC sur le printemps et tout ça, machin. Et là, donc, c'est une fleur dans la ville. C'est la 5 sur 6. Faite par Audrey sans nom. Elle est juste superbe. Je suis super heureuse d'en avoir une. Oh, j'ai trouvé géniale cette série. Trop, trop bien. Superbe, superbe. Merci Audrey. Et on reparlera un petit peu de ce concept-là que je suis en train d'explorer dans ma petite tête. Ça pourrait être sympa. Et j'ai également reçu. Donc là, je vous montre l'enveloppe. Hein. Une jolie enveloppe comme ça. Je me suis dit, oh là là, elle a fait des bêtises. Elle me vient de Maya076, donc dite Maria, qui avait fait un appel de découpe ou tamponnage ou sur le thème couture. Je me suis gentiment proposé en sachant que je suis très 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 à la bourre. Maria, on l'envoie par lundi. Donc il n'y a pas de souci. Et donc à son tour, elle m'a demandé si comment dire, des découpes Memory Dex m'intéressaient. Je lui dis, mais oui, bien sûr, je n'ai pas le dies. Et ah, mais c'est une petite carte, c'est vrai. Et je me suis dit, j'aurai le gabarit. Et en plus, elle m'en fait dans des belles couleurs. Elle m'en a fait tout plein, tout plein, tout plein. Ah oui, il y a différentes formes en plus. Sur différentes formes. Celle-ci, qui est très rigolo, qui fait très bureau. Et je me suis dit, ouais, génial, je n'ai pas le dies. Et c'est vrai que je pourrais avoir le gabarit. Mais tu vois, je voyais ça plus grand, moi, en fait. C'est tout petit, hein, une Memory Dex. Hein. Je suis super contente d'avoir ça. Parce qu'en plus, il y a pas mal de copinettes qui aiment bien, qui aimeraient en recevoir. Donc j'ai le gabarit, j'ai plus qu'à le reproduire. Bon, j'en utiliserai, mais j'en garderai quand même quelques-unes pour en avoir à la maison. Et elle s'est pas arrêtée là, dedans. Alors ça, j'ai adoré. Je ne sais pas où tu as eu ce dies. C'est tous des petits mots. Alors c'est tout petit. Alors en fait, voilà, on le voit ici. C'est des petites lettres marquées pour toi. Oh, j'adore. En plus, c'est pour mettre sur une carte, c'est génial ça. Et j'adore ton elle m'a mis plein les petites découpes. Ça, j'aime bien. Je pense que tu l'as eu sur AliExpress. Je sais pas. J'irai faire un tour pour voir si je le trouve. Parce que j'adore. J'aime bien. J'aime bien. Et ça, c'est sa petite cartounette. Et donc, elle me met son petit mot à l'arrière. Et là, oui, c'est vrai. Oui, j'en ai pensé que. Et à l'intérieur.
Elle s'est pas arrêtée là forcément, donc on a mis ces jolies petites découpes, je suis super contente. Et là, elle m'a fait un cadeau pour moi qui pour elle a énormément d'importance. Je l'ai compris tout de suite quand j'ai ouvert et que j'ai lu ton petit mot. J'ai dit, elle n'a pas fait ça quand même. Eh bien, je suis super touchée de ton attention, Maria. C'est là, je suis, j'ai été sans voix quand j'ai ouvert ton courrier et super émue. Sa fille fait du dessin. Et je peux vous dire qu'elle a énormément de talent. Et il y a une époque, elle était assez branchée dans le sombre. Donc ici, c'est une photocopie. Mais regardez, c'est juste une tuerie. J'adore, j'adore. Là, elle m'a fait une photocopie de ce que sa fille réalisait il y a quelques années. Elle n'est plus dans ce délire-là, entre guillemets. Mais elle a tenu à me faire partager. Et je peux vous dire que, waouh, mais c'est une artiste. Ta fille, c'est une artiste. Hein. Et derrière, donc, elle me met son petit mot. Comme quoi, elle avait 16 ans à l'époque, sa fille, quand elle faisait ce genre de dessin-là. Maintenant, elle en a 29. Et ben, je peux te dire qu'à 16 ans, j'imagine même pas maintenant ce qu'elle peut faire. Hein. Et elle s'est pas vraiment arrêtée. Là, la photocopie, là, je vais la refotocopier. Elle est juste sublime. Et elle s'est pas arrêtée là. Elle a quand même. Alors là, c'est un original de sa fille, la faucheuse. Et c'est une. C'est une tuerie, une merveille. Elle m'a envoyé une œuvre originale de sa fille. Ma vie, c'est une œuvre parce que franchement, à 16 ans, avoir ce talent-là, j'ai halluciné et j'adore. C'est. Mais tu sais quoi, moi, je ne peux pas utiliser ça parce qu'elle me dit sur son petit mot que je peux l'utiliser, que je ferai de très jolies. Je ne peux pas. C'est un truc comme ça, c'est. Moi, je vais, tu sais quoi, je vais le garder, en faire une photocopie, mais. L'original, je vais le garder, l'encadrer. Je vais seulement customiser le cadre pour que ça aille avec le dessin. Mais ça va aller dans mon atelier. Franchement, ça m'a super touchée. Avoir une création, tu t'es séparée d'une de tes créations de ta fille. Et franchement, je te remercie. C'est un trésor pour toi, mais c'en est un également pour moi. En aucun cas, je pourrais faire quoi que ce soit là-dessus. J'en ferai des photocopies, ça c'est sûr, mais ce truc-là, enfin ce truc-là, cette esquisse, ce dessin, il va être encadré et mis dans mon atelier. Ça c'est sûr. Et celle-ci aussi, je vais la refotocopier. C'est juste superbe. C'est. J'adore, j'adore, j'adore. Et la faucheuse, forcément, je kiffe. Je kiffe énormément. C'est sublime et tu peux pas savoir comme ça m'a touchée. Maria, je te fais des millions de bisous. Tu feras des millions de bisous à ta fille parce que tu m'as quand même marqué dessus qu'elle était tout à fait d'accord pour que tu m'envoies une de ses esquisses. Et mille merci à vous deux, franchement, mille merci à toi et à ta fille parce que c'est un superbe cadeau. Honnêtement, un superbe cadeau. Et j'adore, j'adore, j'adore. C'est superbe. Voilà, j'ai pas de mots. J'ai ouvert, j'ai dit non, c'est génial. Et je vous montrerai forcément, une fois que ça sera encadré, ce que j'en ai fait. Je vous montrerai, je ferai une petite vidéo. Mais ça, non, 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 je ne peux pas, je peux pas utiliser ça. Et mille merci pour les découpes de mes mots, Glidex, et ces petits dies-là, c'est excellent. Voilà. Mettre sur une carte, c'est super. Je vais aller regarder de ce pas si on peut le trouver. Je pense que tu l'as eu là, sinon au pire, tu me dis en commentaire où tu aurais trouvé ce petit dice-là, c'est génial. Et je te fais des millions de gros bisous. Donc Maria, moi ça part lundi, il n'y a pas de souci, mais t'aurais pas dû, t'as fait vraiment des folies. Et c'est, voilà, ça aurait suffi. Mais là, ce que tu m'as fait, ça me touche réellement. Je te fais plein de gros bisous Maria, et encore mille merci. Mille merci à Audrey, mille merci à Yann, c'est génial, j'adore recevoir des petits courriers comme ça. Donc Audrey, je sais que j'ai encore quelques trous à boucher sur ta pochette, que je suis en train de refaire quelques petites séries que je voulais montrer en vidéo. C'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Je regarde voilà, quelques vidéos de ci, de là, je n'ai pas trop le temps de commenter. J'ai vu que Chanel, Nathalie organisait un concours, donc je vais voir si je peux ou quoi, parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment à la bourre. Enfin, j'ai rattrapé quand même pas mal de retard, mais
J'ai encore beaucoup de choses à faire, en sachant que je n'ai pas que le scrap, j'ai aussi ma maison qui est en travaux, on fait plein de trucs. Donc voilà, je viens un peu, voilà, je speed le boulot, enfin bref, voilà. Mais je suis là, ne vous inquiétez pas, peut-être dans l'ombre, mais je vais revenir. Sur ce, je vous fais à tous et à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!